Au sein d'ATAS, les entrepreneurs, ATAS, les sociétés, on a invité même des représentants d'associations. Au sein de Dirkoulé, Nfrahaïsen, qui sont venus à notre réseau. Le réseau professionnel a pour objectif de surtout d'amaoun, les membres, une dynamique d'échange entre les membres. Ça m'a fait plaisir de venir ici à cette rencontre des professionnels kabyles, des professionnels kabyles au Québec et au Canada. C'est une soirée réseau des professionnels kabyles d'Aiguille du Canada. Donc toutes les entreprises et tous les travailleurs autonomes, on s'est rassemblés aujourd'hui. Maître Khaled Larbi-Sherif, notaire à Montréal. Je suis conseiller juridique, j'aide les gens à trouver des solutions juridiques notamment par rapport à l'immobilier, par rapport à la situation familiale, les successions commerciales. Je fais beaucoup de commercial aussi. Et vous êtes les bienvenus pour une quelconque question juridique qui vous tracasse. Ça me fera plaisir de pouvoir vous aider. Bonjour, je m'appelle Sarah Mercel, je suis présidente de l'association SLO à Montréal et je suis ici pour rencontrer des professionnels kabyles et faire du réseautage. Amar Chaban, consultant en droit de l'immigration au Canada depuis maintenant presque 8 ans. Voilà, je suis au service sans les parrainages, toutes les migrations, ce qui concerne toutes les catégories d'immigration. Donc Zahir Hani, propriétaire du cabinet d'assurance Souman Prévoyance Assurance. Nous sommes là au service de la communauté les assurances, toutes sortes d'assurances. Nous sommes l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie grave. أو كل الأسيرانس فوايا جمع ديوني دير زنار دار ورنا نعيوني إقبالنا ديرو حدير زف أركوبا نا ديستازيوني نا أون أوروب كراشي دامر خوجا انسبكتور ان باتيمون دونك اون في انسبكسيون دي باتيمون بور نو كومباتريوت اكترني خامس le réseau kabyle des professionnels du Québec et du Canada Flarodiegue Salman Sadi Lukas Igerzen c'est vous êtes besoin de parler un outil qui va vous permettre de développer vos projets d'affaires. Alors c'est sûr que la majorité d'entre vous avez déjà entendu parler du plan d'affaires, du fameux plan d'affaires qui est enseigné dans les écoles de lancement d'entreprise, qui est un petit peu demandé par les banques et tout. Alors l'outil qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un nouveau outil qui en fait, c'est une transition, c'est un moyen intermédiaire entre l'idée et le plan d'affaires. Donc c'est un outil très facile à travailler, très facile donc à utiliser aussi, et qui va vous permettre d'avoir une vue globale de votre modèle économique ou de votre modèle d'affaires. Donc, c'est aussi un modèle qu'on peut utiliser à tous les niveaux de la vie d'une entreprise. Pour la Tesla, c'est de l'innovation. Si on prend Porsche pour la niche, donc elle se concentre sur le haut de gamme. استاد الشرط يسلكي ما خاصة يوذن النار يفضل
يمفزع في ثمورة ما نزدين أخذ قدر تسبت غلغر تسمع ذو الذرين ما يقلع ما تشيكان دي بشكل. Ça m'a fait plaisir de participer à cette troisième édition de la rencontre des réseaux des professionnels kabyles au Québec et au Canada. C'est la troisième fois que je participe. J'ai eu l'honneur d'être invité la première en 2017. Et j'apprécie énormément la démarche et je partage la vision qu'il faut bâtir un réseau des membres de la communauté, des professionnels surtout, ceux qui ont réussi, ce qui est très différent des associations habituelles, traditionnelles, l'association à but non lucratif. Ici, c'est une association de gens d'affaires, donc ils peuvent participer à créer même de la richesse au sein de la communauté, de la diaspora et puis du pays d'accueil. Donc c'est vraiment une vision que je partage avec eux. Les objectifs là, c'est l'entraide entre professionnels. La formation aussi, il y avait deux conférences. La première conférence avec notre invité, Madame Khloudja Maghrebi, qui a parlé des objectifs et du but et de création d'entreprise. Après, Del Hussein, professeur à l'école polytechnique, il a droit de l'avantage de réseauter entre professionnels. Il y a d'autres aussi à Fouvaillet, à Mekilkouvaillet, à Mawangarasan. Donc il y a d'autres que les professionnels sont très satisfaits. À Ségui, pour moi, il y a eu des résultats parce que ça fait 30 ans que nous sommes et tout. De la plomberie à Rouge. Je suis à votre service, toutes les réparations, rénovations. Je suis entrepreneur électricien, donc pour tous vos travaux d'électricité, que ce soit résidentiel, commercial ou même industriel, je prends toutes sortes de projets. Et puis ça me fera plaisir de vous servir. Bonjour, Zulf Laouni, c'est Mouilies. Donc je suis ici au Canada depuis maintenant 10 ans. Je fais du karaté et j'ai décidé avec mon père d'ouvrir une salle de sport, un centre sportif. Ça se trouve sur Beaubien-Langelier. On fait deux segments d'activité, du karaté, du judo. Et un troisième aussi, c'est de la préparation physique. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, si vous avez besoin d'orientation dans votre entraînement ou quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler au 514-747-5865. Merci beaucoup. Kamal Khadroja, je suis un courtier immobilier résidentiel. L'un des gens à Tass, c'est Saran, les courtiers immobiliers d'ailleurs. Un garou, il existe. Nous avons Arnaki, les courtiers kabyles, Koulioun, c'est Gimkanis. Kinismi ou Hassan Djani, je suis courtier immobilier de la province de Québec. Je travaille principalement la région de Montréal. Donc, Akla Dagis, les entrepreneurs, Glen Dagis, du Canada. Donc, Farham, Yastimili Dagir. Donc, j'en présente. Donc, Ismio Nasser Barabin. Donc, Winivran, les travaux intérieurs, ce qu'on appelle les rénovations intérieures générales. Et tout ce qui est comme rénovation extérieure, l'aménagement paysager, béton, briques, blocs, portes et fenêtres, drain français. Donc, si vous le faites, l'appel, le numéro 9. Donc, il se commence par 514-967-0145. Donc, il se met toujours Nasser Bouarabin. Donc, si vous le faites dans l'automne, 514-967-0145. Ou la compagnie Carnes, les entrepreneurs Atlas Inc. Mon nom est Pierre Parrain. Je représente l'agence de voyage Saphir. Nous, on offre toutes sortes de voyages, toutes destinations. De toute façon, on est là pour servir la clientèle
peu importe la destination que vous avez, on est là pour répondre à vos besoins.